Donc, on va voir pour les sixièmes comment, à partir d'une fraction, on peut récupérer la fraction d'un élément. Par exemple, fraction d'un nombre donné. Exemple. En cinquième E, il y a 26 élèves. Combien sont-ils? Alors ça, c'est le cas le plus simple. Je cherche la moitié, finalement. Je peux faire 26 fois 50%. D'autres me diront, il suffit de faire 26 divise 2. 26 que divise 2, ça fait 13. Ici, si je choisis la voie un peu plus compliquée, je fais 26 fois 50 que divise 100. 26 fois 50, vous allez arriver à 1300. Divise 100 et ça vous fait 13. Là, je suis vraiment dans un cas assez facile. Maintenant, exemple 2. Je vais faire quelque chose de ce type-là. Sur Rennes Nord, il y a 75 000 habitants. 13 sont des jeunes de moins de 10 ans. Je veux savoir combien il y en a. Et bien là, je vais faire 75 000 fois 13. Je vais donc faire 75 000 fois 13 que divise 100 à la calculatrice. 75 000 fois 13 que divise 100, ça va faire 9 750. Ce sont tes habitants. Dernier exemple. Roméo mange les deux cinquièmes d'un gâteau de
225 par an. Combien de grammes a-t-il mangé? Je vais faire 225 fois 2 cinquièmes, ce qui va me faire 450 sur 5. 450 sur 5, je peux faire facilement, hein. Il suffit juste d'enlever le 0, 45 que divise 5, ça on connaît avec la table de 9, je rajoute le 0, donc je peux dire que il a mangé 90 grammes. Voici les différentes techniques. Donc, je vous propose de travailler sur deux pages que je vais vous envoyer en même temps que cette vidéo. Donc, faites la page 36 et la page de Beaver 39. Ça va vraiment finaliser tout ce qu'on a pu voir sur les fractions. Merci.